Bonjour mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir un colis, comme vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est au début du mois? C'est la workbox du mois. J'ai déjà pré-ouvert parce que voilà. J'ai chatouillé mon nez. J'ai des poussières qui chatouillent. Voilà. Oupla. On va pas tout spoiler quand même. Du coup, c'est sur le thème de Monster. Il est trop beau, regarde. Et c'est la box du mois de mai 2021. Du coup, je aperçois le pins. Du coup, je le chope. C'est une boîte qui me tente vraiment pas du tout. Mort de monstre. Voilà, la balle de mon chat. Qui m'en est... Et mes lunettes qui se barrent. Du coup, c'est un petit pins comme ceci. Si je me rappelle bien, ça vient de Jurassic Park. Je dis pas de bêtises. Voilà. Je vais mettre sur la table à côté. Après, je prends ceci. Mon papier de... Ah, c'est le... On le voit à l'envers. Du coup, c'est un tote bag Jurassic Park. Il est trop beau. Je ne sais même pas ce qui est marqué. Oh, ben Jurassic Park World. On voit l'avion là. Il est trop beau. Ça, par contre, ça me plaît bien parce que les tote bags, c'est pratique. Jurassic Park, c'est un des film préféré de mon chéri. Du coup, là, je sais pas vous. Là, ici, il y a le t-shirt. Mais je vais pas le prendre. Mais là, je vois encore du plastique. Du coup, on va le prendre. Je tire. Quoi, du puzzle. D'accord. Un puzzle. Et du coup, sans trop démonter, je vais essayer de vous montrer la fiche. Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? Je pense que oui. Du coup, c'est un puzzle de Gremlins. Voilà. Et je ne sais pas combien de pièces il y a. Il faudrait que je regarde dans le... 1000 pièces. Je vois juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, 1000 pièces. Avec le 1000 pièces. Ils font 68 x 45 cm. Voilà les pièces de puzzle. Ça, c'est un beau objet pour ceux qui aiment bien faire les puzzles. Voilà. J'essaie de voir la fiche un peu mieux. Je sais même pas ce que ça vaut comme ça. Après, bah, je vais prendre le t-shirt. Pour ceux qui connaissent, qui a déjà vu l'affiche, ils vont reconnaître direct. Pas comme... Oh, il y a du carton dedans celui-ci. C'est la première fois que j'ai du carton dans les t-shirts. Voilà le t-shirt. Vous le voyez avant moi. Et c'est... Je sais pas comment ça se dit. John, je ne sais pas. Le truc de requin. C'est pas un film pour moi. Voilà, il est trop beau, la matière est toujours aussi agréable. Souvent, ce t-shirt là, je les mets pour faire dodo. Ou voilà, quand je reste chez moi, pour faire le truc que je peux abîmer, quoi. Et dernière chose, est-ce que c'est une pop ou une Q-Fig? Je suis un peu triste parce que c'est vrai que tout un temps, c'était les Q-Fig, puis ça a été les pop. Et maintenant, c'est reparti sur les Q-Fig. Elle se présente comme ceci. Je vous montre la boîte entière. Je ne suis pas fan du tout de ce monstre. Je ne vais même pas dire... Du coup, vous voyez, là, il y a un scratch. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Hop. Ah, ben là, il y a du papier. Quel là, on va le... Voilà. En toute douceur. Hop. Du coup, il se présente comme ceci. Hop. Là, on ouvre la boîte. Hop.
Et alors la figurine est là. Hop. Tout ça pour ça quoi. Alors là il y a encore du scotch. On peut pas dire que la figurine peut s'enfuir quoi. On va essayer d'ouvrir. Ah oui, on voit le pied de la figurine juste là. J'ai laissé scotcher de côté, comme ça, ce sera plus facile. Oh, elle est vraiment moche. Mais elle est vraiment moche. Je vous la montre de plus près. Le soc est comme ceci. On voit sa baffe. Bleu transparent, c'est trop joli quand même. Il y a plein de détails. Enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose. Pour les connaisseurs, ils me diront. Voilà. Mais je ne suis pas fan du tout de cet objet. Pas du tout. Du coup, le soc comme ça. Hop. Est-ce que je la mets dans le bon sens ? Je pense que oui. Voilà, elle est dans le bon sens. Voilà pour cette box. Écoutez, je vais pas vous retourner la box parce qu'il n'y a vraiment rien de particulier à part des grillages. Ouais. Ça, je vais. C'est vraiment que des grillages. Regardez. J'ai pas envie de retourner pour juste vous la montrer. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Et puis ça me prend un temps de fou pour faire ça. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de cette petite ouverture de box. Ah oui, on va quand même regarder le fascicule. Allez. Du coup la figurine Cuffy, elle vaut 18 euros. Ouais quand même. Le t-shirt 20 euros. Le puzzle, ceci, vaut 10,99. Le tote bag qui est là-bas vaut 10 euros, 9,99, j'arrondis un petit peu, et le pins c'est 4,99. C'est vrai que pour la box elle vaut la peine quand même, mais franchement là j'essaie de l'arrêter. Ceux qui, si y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver le bouton je me désabonne, je serai preneuse parce que j'ai regardé, mon copain a regardé. Pas moyen, on a envoyé un mail, il lui dit qu'il faut faire ça comme ça. On suit tout ce que le mail dit, mais il n'y a pas ce bouton-là. Du coup, voilà. Et pour ceux qui veulent, il y a des box collection moins chères. À la place de 39,09, ils sont à 37,99. Voilà les petites box qu'il y a pour le moment. Il y a celui-là, c'est Harry Potter. Celui-là, c'est Deadpool. Ça, c'est Assassin's Creed, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là, Star Wars. Voilà, ça, c'est les petites photos des gens. Voilà, le petit fascicule. Et là, c'est toutes les langues. Enfin, ils le mettent à toutes les langues maintenant. Avant, on n'en avait qu'un. Maintenant, on a plusieurs à toutes les langues. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos qui se présentent là sur l'écran. Vous cliquez dessus et vous aurez d'autres vidéos que vous aurez peut-être déjà vues ou pas. Et sur ce, moi je vous laisse là et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ou dans un prochain vlog ou tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.